La Chambre de commerce et d'industrie a été fondée en août 1599 pour répondre à une certaine insécurité en Méditerranée. Depuis, au fil des ans, au fil des siècles, elle a reçu de nombreuses missions, en particulier au XVIIe, au XVIIIe siècle, lorsqu'elle était une sorte d'annexe du ministère de la Marine ou des Affaires étrangères. C'était elle en particulier qui donnait les autorisations de résidence des négociants français dans les échelles du Levant. C'était elle qui payait les consuls de France, la pension de l'ambassadeur de France à Constantinople, qui s'occupait aussi de la formation des jeunes interprètes, bientôt au service des ambassades et des consulats.